Coucou à toutes et à toutes, comment allez-vous pour l'épisode 9? Vous vous rappelez que dans l'épisode précédent, on avait fait donc l'achat de la boîte de nuit. On avait fait également, si je me rappelle bien aussi, acheter je ne sais plus trop quoi. Et là aujourd'hui, on va essayer de faire le maximum, d'essayer de faire à propos pour organiser... pour la boîte de nuit, sauf que je me suis rendu compte que dans les 8 il fallait avoir un truc de propriétaire de soi-disant de comment dire pour acheter un truc pour qu'on puisse avoir selon nous. Je vais vous faire voir dans, on va le voir sur internet comme on nous dit. Je vais vous faire voir, mais il faut qu'on achète un truc supplémentaire. Ce que j'ai vu, mais on s'est déjà pas mal donné. Donc, il faut soi-disant qu'on achète, ce que j'ai compris, une salle comme ça. Donc j'ai vu que celui-là il était très très cher, 2000 et quelques, j'ai trouvé très cher. Après il y a celui-là, mais encore plus cher. Ou alors celui-là qui reste encore aussi pas mal mais qui est cher encore quand même également. Alors, est-ce que c'est possible de prendre ça? Ou alors celui-là à 2 650 000? Ou alors est-ce qu'on prend celui-là qui est à 2 000 et quelques? Mais ce disant qu'il nous faut un ranch, pas forcément, parce que le ranch on l'a. On en a eu un déjà, un orange, non c'est un orange qu'il faut. Parce que je me rappelle que nous on avait acheté un breaker ou quelque chose comme ça. Qu'on avait eu gratuit je crois, complexe c'est pas la peine. QG machin, donc celui-là on l'a déjà. On l'avait déjà là et on l'a eu gratuit, donc c'est pas la peine que j'en fasse tout. Nombre de club motard. Ce qu'on va faire, je pense sur cet épisode-là, on va essayer d'acheter, de peut-être acheter le ranch dans ces cas-là, d'acheter le ranch à 2000. Mais. Est-ce qu'on. Ouais, qu'on marque quoi qu'on pourrait faire comme ça, au moins acheter le ranch. Le ranch, je suis acheté celui qui est le moins cher. Donc, c'est-à-dire celui-là, quoi. Donc, il faudrait qu'on prenne celui-là, quoi. Celui-là qui est là sur le plan. Donc ça nous fait 2000 et quelques. Pour cela, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Parce que ce que j'ai... Une prime de 7000. De ça, en fait, ce que j'ai compris... voilà, il faut rendez-vous sur le site pour acheter... Donc, pour passer au revenu des salaires. Non, mais là, ce qu'il y a, donc, ça... En l'achetant une vous donnera un accès à la pièce, donc j'ai pas pu dire bon des bonnets machin, mais je pense qu'il faut acheter un genre de ranch ou quelque chose comme ça. Mais pour moi je pense que c'est de ce côté là ça serait plutôt une peut-être une chose, mais à voir après comment dire. Une chose, c'est de que particulier, c'est qu'on va essayer, je pense, de faire une chose de. Comment dire de, qu'on va essayer de, donc, d'acheter de cet endroit-là pour que notre. Il nous dit qu'il faut acheter donc, cet endroit-là pour acheter tout simplement pour qu'on puisse, soi-disant, acheter le ranch et tout ce que j'ai compris. Mais il faudrait acheter un ranch et tout ça. Et ça. Mais je pense que dans le ranch, acheter un ranch et tout ça, ouais, ok. Mais pour moi, ce que je ferai, c'est qu'à mon avis, ce qu'on va faire, on va s'y rendre tout de suite à la boîte de nuit et puis on va aller savoir ça pour voir s'il faut vraiment qu'on prenne un ranch et tout, si c'est vraiment nécessaire ou si c'est pas nécessaire, pour qu'on puisse voir si c'est faut vraiment, on sait qu'à la s'il faut un ranch, on prendra un ranch, on essaiera d'acheter ça. Ou sinon, s'il ne faut pas forcément de range et qu'on peut faire comme ça, et ce cas-là, voilà. Mais moi, je pense bizarre qu'il faut acheter un range pour ça, pour être propriétaire, comme ils disent, pour avoir ça. Je trouve pas ça logique
qu'on achète un range comme ça. Mais en fait, je trouve que les ranges sont un peu chers. En plus, on doit coter ça. Parce que c'est vrai que, comme on dit, ils sont souvent vite, mais bon, ça reste quand même. Bon, on va voir. On va essayer d'aller d'aller déjà à la boîte de nuit pour se renseigner aussi par rapport au ranch. Et s'il faut vraiment un ranch, ben on prendra un ranch, tant pis, ça nous fera des frais supplémentaires. Mais c'est-à-dire qu'on sera obligé à ce moment-là de prendre des ranchs. Mais je trouve quand même que ça restera un peu cher pour des ranchs et tout. Moi, je trouve vraiment bizarre que d'un côté, il faut vraiment acheter des ranchs pour devenir propriétaire d'une boîte de nuit, tout ça. Bon, tout de suite, je vous signale que tout de suite, on fera pas le. Comment dire, le ranch, ok, on l'achètera, mais on ne fera pas de trop améliorer les effets de lumière. Enfin, les effets de lumière ont déjà été mis en compte, les prises en compte, mais on essaiera de faire autre chose, qu'on essaiera d'améliorer, mais pas pour l'instant. Donc, on le fera petit à petit. Je pense qu'on fera d'ici quelques jours encore. Hein. Bah oui, parce que comme tout simplement les épisodes ne sont pas assurés, donc comme on a dit, pendant les périodes donc de fête, parce que c'est nécessaire, donc on n'a pas pour en faire. Mais là, on va aller à la boîte de nuit tout de suite et on va aller voir ce qu'il faut vraiment qu'on fasse. Il faut qu'on achète un range et tout ça. Mais si on achète un range, on sera obligé de faire ça. Et puis voilà, je pense qu'on fera ça, on fera ça. Il y aura pas, il y aura la seule chose, ça sera de faire ça. Et puis bon, on fera ça. Et puis voilà. Mais d'un côté, on va au range et moi je vous retrouve tout à l'heure une fois qu'on est arrivé pour parler de ça. Moi je vous dis à tout de suite. Info, je viens juste de voir, c'est dommage. Je sais pas si vous avez vu, il n'y a plus de neige. Dommage, j'aurais voulu faire un boîte de nuit sous la neige et finalement bah, je pourrais pas le faire. Bon, c'est pas grave, je teste 5. Est-ce que ça va être le dernier qu'on va peut-être sûrement se faire? Bon, selon moi, je pense que ce sera peut-être sûr. Bon, le dernier, on verra. On fera peut-être 30 ou 30 minutes encore, je ne sais pas, mais pour le moment, on se retrouve tout à l'heure. Et là, tu n'as plus de rentrer dedans sans savoir pourquoi. A tout de suite.
Alors, on est revenu à la salle, donc de. Comment dire, pas la salle, mais de. Donc, on puisse s'occuper de la boîte de nuit. Voilà. On va accéder à l'ordinateur pour en savoir plus par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la propriété. Donc, inscrivez-vous. Donc, inscrivez-vous en tant que gros bonnet de PDG. Vous présentez dans le club de motards. Le club de motards, on l'a déjà. Gestion de votre boîte de nuit sur cet ordinateur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on achète vraiment Orange. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende là, là-dessus. Alors, laissez-moi revoir ce qu'il y a marqué exactement. Inscrivez-vous sur le club. Je pense que c'est ça qu'il faudrait aller là-dessus. Ah, c'est ça qu'on nous avait parlé. Oh, parce qu'on n'a pas besoin. Et ça serait ça, alors, soi-disant. Et donc, il faudrait acheter vraiment le ranch. Alors. Le range. Le range. La salle d'arcade, je m'en fous. Alors, il faudra acheter un range alors. D'accord. Ah, il faudrait un range. Alors, un cuit cul machin, on l'a déjà. Donc ça, on peut passer pas la peine de s'en occuper. Bah de nuit c'est pas la peine, non mais il faudrait carrément le range alors. Un range carrément, mais moi je trouve que les ranges. Un range, donc un range de tout. Ouais, je trouve ça bizarre. Éclairage, on s'en fout. Décoration du sol, on s'en fiche. Mobilisation du bureau, on s'en fiche. Appartement, ah oui, parce qu'il y a rien d'appartement, genre du style appartement. Ah ouais. Il y a l'atelier. Moi, je vois pas en quoi ça sert d'acheter un. Alors, on va chercher sur un truc qui fonctionne par rapport à PDG. PDG. On va chercher sur ça, pour ce qu'on pourquoi ils nous disent là, par rapport au truc au PDG. Parce que là je comprends pas pourquoi ils disent PDG. À moins que. On va régler cela ensemble parce que je vois pas pourquoi ils nous disent le truc le PDG. Alors, les amis, ce qu'on va faire en attendant, donc tant que je cherche à peu près fonction par rapport au truc de PDG, vous allez inscrire là. Parce que je ne comprends pas par rapport à ça. Alors, attendez. Alors, selon moi, avant que je fasse ça,
Alors, selon moi, selon mes recherches, donc comment devenir un gros bonnet comme ils disent en GTA, donc en GTA Online. Donc, soi-disant, il faudrait donc tout d'abord savoir sur ce statut. Vous accéderez donc quelques privilégiés, mais aussi des tâches uniques. Effectuer vous rapporte de grosses sommes d'argent, beaucoup de RP, de plus d'avantages d'activation afin de devenir bonnet. Nanana, impressionnant de devenir l'argent. Ouais. Donc, il faut qu'on ait déjà pas mal d'argent et tout. Donc. Déjà, moi je trouve que ça, pour ça, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va changer de donc de tenue, donc de vêtements. Normalement, il doit y avoir un truc pour changer, un endroit pour changer, donc on va faire ça tout de suite. On va essayer de changer tout ça tout de suite et après on va essayer de voir. On va changer de vêtements, de tenue. Cascade. Non, quand même pas exagéré. Darren. Voilà, non. Oh. Non. Ça, besoin de cuir, non. Oh, fictif, pull. Ouais, ce sera déjà mieux. Pantalon, on va mettre quand même un truc. Non, short, on va pas mettre un short. Pantalon de sport, ouais, ça va le faire. On est déjà un peu mieux comme ça. Allez, dans la sélection style de menu, on va modifier des vêtements. On peut. Donc, là je me suis un peu amélioré déjà. Mais sur l'ordinateur ça va rester quand même de ce qu'on a pensé. Donc inscrivez-vous pour le du bonus PDG. Devenir un gros bonnet de PDG est gratuit, mais le joueur doit avoir 50 000 dollars sur son compte en banque pour s'inscrire. Ah ouais. Donc, ouais, on n'a pas 50 000, donc ce qu'on va faire pour cela. Pour moi, ça va être un peu compliqué pour cet épisode. Alors, sinon, ce qu'on fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'acheter carrément l'orange. L'orange, ça coûte rien. Moi, ce que je ferais, c'est carrément d'acheter l'orange. Bon, c'est pas grave. Mais orange, moi je pense carrément d'acheter orange. Bon, il y a 2 secondes, je regarde ça. De prendre orange. Parce que moi on m'avait conseillé d'acheter orange, donc moi je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, je vois qu'il y en a là aussi. Ah, puis ils sont moins chers ceux-là. Ils sont même moins chers. De prendre celui-là. Donc là, on va laisser dans l'état qu'il est. Donc on du sol. Nanana, nanana. Parce que là, ils nous disent d'acheter un truc, mais bon. Donc pour moi, cela. Comment dire? Quand même. La prochaine fois, c'est d'avoir du 8.
ça le 3000 la prochaine fois. Ça fait quand même un 3000. 1000, on restera sur 1000. Alors, selon moi, parce que là pour l'instant, on se concentrera peut-être sur la bonne nuit, mais bon, ce qui m'embête, c'est par rapport à l'histoire du. De ça là. D'inscrivez-vous en tant que gros bonnet PDG ou président d'un club motard pour accéder à l'application de gestion de votre boîte. Les mises sur cet ordinateur. Qu'est-ce qu'ils entendent parler de ça? Parce que là, s'il faut avoir 50 000 et quelques sur son compte, donc là, je pense que dans le prochain épisode, on essaiera de faire un peu plus. Alors, moi je pense alors, il y a un truc que je veux voir. Non. Excusez-moi, mais bon, c'est pas voir ce qu'il y a à peu près. Parce que j'essaie de faire une amélioration, de trouver le problème. Ok, donc je sais ce que je vais faire seulement. Je vais faire ça. Ça. Bon, je vous retrouve tout à l'heure, j'essaie de le retrouver dans mes recherches.
Bon, alors selon mes recherches, ce que j'ai compris, en fait, faut essayer de faire une grosse mission pour gagner je sais pas combien de dollars. Eh ben, écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va pas s'embêter, on va pas aller plus loin. On va faire autre chose. Eh ben, on va essayer de faire ça. Et puis, bon, tout simplement, et on va essayer de faire une grosse mission. Comme genre un braquage ou je sais pas quoi. Et puis, on va faire ça tout de suite. Et puis voilà, et on va essayer de faire un braquage. Allez, à tout à l'heure. Hey, I know we've got that other thing. You're still working on that, right? Right? Great.
Hey, I know we've got that other thing. You're still working on that, right? Right? Great. Okay, well, I've got something else. Something so... Why, hello, how you doing? How can I help? Huh, I'd love to, but there's nothing needs doing right now. I take it this isn't a social call. Sure, I'll send you a text.
Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. It's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will.
Meriwether Security Consulting. How can I help? A helicopter will be with you shortly. We got you covered. And we're done. Heading back to base. Meriwether, because security is a private matter, what can I do for you? I'm sorry, there is an unusually high demand for our air units at this moment. Please try later. Goodbye then.
Bon les amis, on va arrêter l'épisode ici en tout cas. Enfin, moi l'épisode m'a pas plu du tout. Je vais vous dire, m'a pas plu du tout. Voilà quoi dire de plus. Franchement, ça m'a pas plu. Dorénavant, pour ça, je vais aller au truc de braquage, là, comme ils disent. Et je vais en savoir un peu plus ce que c'est exactement ce truc-là. Et en plus, en savoir un peu plus. Et puis voilà. Et ça, c'est chiant, ces musiques qui se mettent automatiquement. Avant de finir l'épisode ensemble, je tiens à dire que donc utilisez un disque votre argent de banque. On va le mettre tout de suite là. Vite avant que ça soit trop... Merde ! On va mettre ça en banque tout de suite. Et nous après on va aller au truc de braquage là tout de suite là, pour voir ce problème là, enfin pour voir ce truc là. Voilà, et nous on va aller voir par rapport à ce truc de braquage là. Et on se lâchera là pour cet épisode. C'est ça les amis, je vous dis au prochain épisode 10. C'est ce, portez-vous bien. Et on se retrouvera très bientôt pour de nouveau de retour pour Cyberpunk. On se retrouvera très bientôt. Cependant, nous vous tenons à vous informer que les épisodes de GTA V seront exclusifs et bientôt terminus. Nous tenons à vous informer une fois que l'abonnement sera terminé, nous tenons à vous informer que GTA V ne sera plus disponible, bien sûr pour les épisodes, mais enfin les épisodes en ligne seront effectifs. Par contre, dorénavant, nous tenons à vous informer également que les épisodes seront interrompus jusqu'au prochain renouvellement de l'abonnement qui sera prévu normalement peut-être pour février. Ou peut-être en fin janvier, début février. Nous vous remercions de votre compréhension et à très bientôt. Working on that, right? Right? Great. Okay, well, I've got something else, something so big and so secret. We've got to hide it under 1,000 tons of reinforced concrete. Buy an ex-government facility on Maze Bank, and I'll meet you over there. This'll make...